Bonjour à tous, bienvenue à Paris Games Week. Donc nous sommes en direct avec Chips et Noah. Bonjour, comment allez-vous ? Salut, bah ça va très très bien. Salut tous les gens qui nous suivent sur War Legends. Ça va super aussi. Donc on marchait tranquille et d'un coup on vous croise. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Bah en fait on a plein de choses à faire. On vient de commenter une grande finale de tournoi LOL, l'Ipsy League. Et le salon, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les gens parce qu'on n'a pas énormément d'occasions non plus tout au long de l'année. Et Noah, surtout, doit prouver dans la semaine ses compétences de grand général. Ouais, moi, vendredi, je serai pour le combat Interweb TV sur World of Tanks. Le public nous a crédité de 7% de chances de victoire. Donc je pense qu'on est largement favori devant tout le monde. Et ça donne, ouais, comme disait Chip, ça permet de rencontrer un peu tout le monde. Et ça permet aussi de venir faire coucou aux copains qui sont sur tous les stands. C'est toujours le bon moment où tu passes et tu viens faire la bise à tout le monde. Tu glandouilles un peu. Là, par exemple, concrètement, on n'a plus rien à faire. Donc on va glander toute la journée. D'accord. Donc qu'est-ce que vous avez prévu de faire cette semaine ? Est-ce que vous avez des émissions exclues, nouveautés ? Bah en fait, non, rien de spécial, c'est-à-dire qu'on a, on a quelques trucs à faire sur le salon, donc comme on le disait, on a fait les Psy League. Noah doit encore mener l'armée au gaming dans le choc des blindés, et moi du coup, non, c'est vraiment free time, mais on n'a rien prévu de spécial, parce qu'on va dire, enfin, on est pas mal pris en temps de stream toute l'année, donc là on a l'occasion de voir, d'avoir tous les acteurs du milieu en fait réunis à un endroit, d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent, donc on essaie de consacrer du temps à tout ce côté-là en fait qu'on a peu l'occasion de rencontrer tout au long de l'année. Non, on est là pour faire du tourisme. Intéressant. Alors moi j'aurais une question par rapport au gaming. Comment ça se passe aujourd'hui au gaming ? Ben ça se passe bien, on est toujours... Alors là, par exemple, sur League of Legends, c'est calme, parce que toutes les compétitions reprennent en janvier, en février. Donc on est en train de... En ce moment, on bosse surtout sur la Web TV, parce qu'on vient de faire le passage sur Twitch. Et donc, on met en place les abonnements, des chaînes qui seraient up assez longtemps, pendant 5, 6, 10 heures par jour, selon la Web TV. Donc on bosse pas mal sur les programmes. On est en train de pas mal bosser sur la chaîne généraliste. On est en train de lancer des concepts. Il y en a quelques-uns. Moi j'en suis assez fier, j'attends qu'ils sortent, ça va être sympa. Et non, sinon, pépère, la routine. Après les Worlds, détente. Ok, alors on va parler des Rose of the Storm. Qu'en pensez-vous du jeu, vous, personnellement ? Ça manque un peu d'objets. Alors je l'ai essayé. Je trouve que c'est... Très courageux, ambitieux de la part de Blizzard d'avoir pris le contre-pied de ce qui se fait actuellement en termes de MOBA et d'essayer de se démarquer. Mais je trouve quand même qu'il manque des aspects de personnalisation et ça me gêne un peu. Enfin, j'aime bien l'aspect tout pour l'objectif, full war dès le début de la partie, mais ça manque vraiment d'objets de mon point de vue et ça c'est embêtant. Alors j'y ai joué quelques fois, alors c'est un jeu qui va marcher, hein, comme Hearthstone a marché, parce que c'est un jeu qui est axé très grand public, c'est très intuitif, c'est très simple, mais comme je disais, je trouve que c'est un jeu qui manque cruellement de profondeur. Comme je disais, les objets, le bac, pour moi les objets ça induit des mécaniques comme le bac à la base et donc une certaine gestion de la lane, etc. Ça disparaît, il y a d'autres choses qui apparaissent. Moi je sais que c'est pas un jeu qui me fera quitter League of Legends. C'est-à-dire que pour lancer une partie avec des potes en LAN, avec des potes qui savent pas très bien jouer au MOBA, c'est cool. Voilà, comme du Hearthstone. C'est en deux secondes, t'as expliqué le concept à quelqu'un et vas-y, lance une partie. Mais voilà, un aspect compétitif du jeu me fera toujours un petit peu sourire. D'accord. Je pense quand même que personnellement, ça, il y aura de l'avenir dans l'e-sport. À mon avis, pour ce probable. Concernant les Sparta, vous en êtes fiers de vos Sparta ? Hein ? Pardon, vous êtes fiers de vos Sparta ? Ben, on en est fiers. Non mais c'est même pas la question, c'est-à-dire que nous on a entrepris quelque chose avec les Sparta à la base parce qu'on voulait faire une belle Web TV. Donc c'est... On est peut-être une des seules structures e-sportives à se dire on prend une équipe et qu'ils fassent des résultats ou pas. Bah s'ils en font tant mieux, s'ils en font pas tant pis. Non, je pense que c'est une équipe qui a un très bon niveau. Je pense qu'ils doivent encore appréhender l'offline. Ils sont très bons en online, il faut qu'ils appréhendent l'offline. Là on va voir les résultats cette semaine avec la Paris Games Week. Je pense qu'ils ont les armes
pour arriver en finale et pour gagner la finale. Mais oui, je pense sinon c'est une... c'est quoi? C'est un top 5 français. C'est... oui. Mais moi je suis assez fier de l'image qu'ils arrivent à véhiculer, parce que on a fait vraiment ce partenariat avec eux parce qu'on trouvait qu'ils correspondaient à la mentalité au gaming, les joueurs. Et du coup, je suis vraiment content de ce qu'ils font en stream. En général, ils sont vraiment toujours de bonne volonté et ils aiment beaucoup streamer, caster. Et vraiment, je trouve que c'est une équipe qui renvoie une bonne image. Donc ouais, moi je suis vraiment fier de ça. On verra les résultats donc. Ils jouent quand précisément, les Spartans, et contre qui? Si vous savez. Je sais qu'ils jouent demain. Voilà. Contre qui? C'est une très bonne question. Demain. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Une garde question, excuse-moi. Est-ce que pour les voir les gens, tous les voir les gens qui regardent, vous aurez une petite exclue au gaming? Juste pour les voir les gens. Il y a bien quelque chose. Tu nous prends un peu au dépourvu là, comme ça, c'est pas facile. Laquelle? Ah ouais, éventuellement, vas-y. Je vais pas dire exactement ce que c'est, mais comme on le disait, on est en train de préparer une émission, notamment avec trois de nos meilleurs amis, qui va être complètement, je pense, différente de ce qui se voit actuellement en termes d'émission. C'est pas sur du jeu vidéo. C'est sur un peu plus large. Comment donner quelques indications sans donner? C'est pas un talk show, c'est pas sur du jeu vidéo. C'est quelque chose qui est très vieux et les dés sont importants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.